Amen. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci de nous avoir menés ici. Et l'objectif pour l'étude, que cela soit atteint dans chaque vie et produise des fruits afin que l'étude de la parole nous soit bénéfique, profitable pour tout le monde, dans la vie de tout le monde, au travers de tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un grand amen. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Vous êtes tous les bienvenus à l'étude biblique une fois encore. L'étude biblique, ce n'est pas comme on vient d'habitude. Mais cela a un objectif. La parole de Dieu est donnée pour un objectif. La parole de Dieu est lue, apprise pour un objectif. La parole de Dieu est comprise et on y médite et on prie sur la parole. La parole de Dieu est bien stipulée pour un objectif, pour notre salut, pour notre sanctification, pour notre force, pour notre fermeté et pour notre avancement inébranlablement dans le Seigneur, étant bien enraciné, affermi, fondé sur le roc antique. Et peu importe ce qui se passe autour de nous, dans notre nation, nous allons tenir ferme parce que la parole nous a montré comment être ferme, solide, affermi, inébranlable dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir Jacques 1, 22. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Ce soir, le titre est Les pratiquants bienheureux qui croient à la parole de la Bible. Les pratiquants bienheureux qui croient à la parole de la Bible. C'est dit ici que mettez en pratique la parole. Alors, ça veut dire que repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, nous venons au Seigneur la première fois, comme nous venons à lui, il nous confronte avec notre style de vie dans le passé. Et il dit, ce style de vie du passé ne va pas nous amener au ciel. Et si nous voulons aller au ciel, que dois-je faire? Repens-toi et crois à la bonne nouvelle. Alors, mettez en pratique la parole. Depuis que vous apprenez la parole, est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que vous êtes repenti? Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous pouvez m'amener là où cela s'est produit? Comment cela s'est passé? Est-ce que vous pouvez dire comment la chose exacte qui s'est produite dès que vous avez cru au Seigneur? Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Il a dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un commandement. C'est une exigence, une obligation sur notre vie. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Avez-vous fait cela? Vous avez entendu cela? À maintes reprises, mais l'avez-vous fait? Attendez dans la ville jusqu'à ce que la promesse du Père vienne sur vous. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que vous êtes attendu? Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Nous sommes spirituellement faibles parce que nous n'espérons pas en l'Éternel. Attendez, restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur votre vie. Soyez remplis du Saint-Esprit et ne soyez pas enivrés du vin. Est-ce qu'on a fait cela? Êtes-vous remplis? Êtes-vous saturés du Saint-Esprit? Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église. C'est un commandement. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. Avez-vous fait cela? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres.
comme moi je vous ai aimé. Est-ce que l'amour contrôle notre vie? Est-ce que l'amour dirige notre vie, conduit notre vie? Est-ce que nous faisons cela à tout moment, à toute personne? Aimez vos ennemis aussi et priez pour eux, priez pour ceux qui vous persécutent. Le point est que le Seigneur veut que nous soyons des pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs, et non seulement des apprenants de la parole, non seulement des prédicateurs, non seulement des dirigeants, mais des pratiquants de la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Les pratiquants bienheureux qui croient à la parole de la Bible. L'étude est divisée en trois parties. Première partie, les auditeurs illusionnés, oublieux de la parole. Les gens que, après avoir entendu la parole, ils se lèvent, ils rentrent chez eux, ils vivent comme ils n'avaient rien reçu. C'est comme ils n'avaient rien appris. C'est comme ils ne sont pas exposés à la parole et la parole ne leur a pas été exposée. Ils sont les auditeurs illusionnés, oubliés de la parole. 2. Les auditeurs fidèles renonçant à eux-mêmes dans sa volonté. Les fidèles, ceux qui viennent fidèlement et la parole, ils étudient la parole. L'étude de la parole n'est pas un gâchis. Cela n'entre pas dans une oreille pour sortir par l'autre. Ils sont fidèles au Seigneur, le Seigneur de la parole. Ils sont fidèles à la parole du Seigneur. Et cette fidélité les pousse à prier, à avoir la grâce, la force, l'objectif, la passion d'être obéissant à la parole du Seigneur. Alors, ils devaient renoncer à eux-mêmes parce que le moi va vouloir t'amener à l'autre direction. Le moi va vouloir nous amener à la tradition, à nos habitudes, à la vie passée. Mais comme on renonce à nous-mêmes et on demeure fidèle au Seigneur dans chaque moindre chose, dans chaque grande chose, ce sont les gens-là qui sont bénis en étudiant la parole et s'appliquent la parole. Troisième point. C'est les moissonneurs fructueux s'oubliant eux-mêmes de cette manière. Cette manière, comme on lit les actes des apôtres, le christianisme est appelé comme ce chemin ou cette voie. La voie du Seigneur, le projet du Seigneur, la volonté du Seigneur, la volonté, la parole que nous avons est appelée ce chemin ou cette voie. Si nous devons être fructueux, nous devons nous oublier. C'est le problème principal de l'humanité. Les hommes pensent beaucoup à eux-mêmes et très souvent, mais les gens qui portent de fruits dans la vie, les gens qui sont profitables dans la vie, ce sont les gens-là qui s'oublient et qui marchent dans cette voie du Seigneur. Et ces gens-là seront des gens qui moissonnent les autres. Ils vont donner l'espoir aux autres parce qu'ils vivent, ils mènent une vie d'abnégation, une vie qui s'oublie. 3. Les moissonneurs fructueux. Allons au numéro 1. Les auditeurs illusionnés, oubliés de la parole. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. N'est-ce pas terrible? N'est-ce pas sérieux? Lorsque Satan nous séduit et nous l'acceptons, alors c'est chose terrible. Lorsque les voisins nous trompent, c'est un cas dangereux, plus dangereux. C'est très condamnable lorsque nous-mêmes nous nous séduisons. Et il dit que si nous ne mettons pas la parole en pratique et seulement nous l'écoutons, nous nous séduisons, nous nous trompons nous-mêmes. 23 dit, car si quelqu'un écoute la parole, car si quelqu'un écoute la parole comme Judas Iscariot, il a écouté tout le sermon sur la montagne, il a écouté tout ce que Jésus a dit, il a écouté toutes les promesses, tous les préceptes, les proclamations de Christ,
mais il n'était qu'un auditeur de la parole et non un pratiquant. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. 24 dit, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il oublie qu'il est rétrogradé et il est un pécheur qui a besoin du salut, un rétrograde qui doit être restauré. Il a oublié son besoin, qu'il est injuste, il faut qu'il soit saint, qu'il a besoin de la touche du Seigneur pour être saint. Il s'oublie que c'est une personne oublieuse, qu'il lui faut la grâce de Dieu pour ramener la parole à sa souvenance. Et c'est dit que les auditeurs illusionnés oublient de la parole. Nous allons voir trois points ici, trois sections. 1. Les auditeurs oublieux qui se trompent de la parole. 2. Les prédicateurs stériles s'abusant de sa parole. 3. Les gens sales et souillés qui haïssent sa parole. Cette parole. Numéro 1 ici, nous allons voir les auditeurs oublieux qui se trompent de la parole, ou bien qui s'abusent de la parole. On va à Jacques 1, versets 22 à 24. Nous allons voir Galates 6, verset 3 dit, car si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Il est pécheur. Oui, il se prend pour un saint. Il se séduit. Il est rétrograde. Et il se croit être croyant. Alors, c'est un pécheur. C'est quelqu'un qui chute. Et il se prend pour une personne fidèle. Il s'abuse de lui-même. Il se séduit. Il s'est enduci. Mais il se croit saint. Il s'abuse de lui-même. Si quelqu'un, si un homme, une femme qui va à l'église, un religieux, une religieuse, un membre d'église, se croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Alors, s'abuser, ou bien se tromper, commence de façon subtile, et puis avant de savoir, ça devient une habitude. Si quelqu'un adopte cette habitude de se séduire toute sa vie, la personne va entrer à l'éternité étant séduit, et il croyait être en route pour le ciel et il atterrit en enfer. Si quelqu'un croit être quelque chose, quelqu'un, alors que la personne n'est rien devant Dieu, cette personne s'abuse, se trompe lui-même. Hébreux 12, verset 5 dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. Vous avez oublié. Pouvez-vous penser à vous-même, à tout ce que vous avez entendu, toutes ces années, le message du salut, de la sanctification, la sainteté, la pureté du cœur, le message d'amour, le message de la nécessité d'être ferme sur la parole de Dieu, de combattre pour la foi en tout ce que vous faites, où que vous soyez, les projets que vous concevez. Vous combattez pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes, tout ce que nous avons entendu. Est-ce que vous vous rappelez cela? Est-ce que je me rappelle cela? Est-ce que je prends cela à cœur quand je planifie quelque chose? Quand je veux prendre une décision, je veux aller ici ou là? Est-ce que j'ai oublié tout ces dires
aux chrétiens et hébreux que vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment, la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Est-ce que nous oublions que la parole de Dieu nous est donnée par inspiration pour la correction, pour la censure? Lorsque la parole de Dieu nous vient, alors nous sommes corrigés, nous sommes réprimandés. Comment réagissons-nous? Comment répondons-nous? Notre réponse va montrer soit que nous oublions cette exhortation, que nous ne faiblissons pas lorsque Dieu nous reproche ou nous châtie. Alors cela ne doit pas venir du ciel. Dieu ne va pas venir du ciel pour commencer à nous réprimander. Il va utiliser son porte-parole, ses sentinelles, ses prédicateurs, les gens qu'il a envoyés afin qu'ils révèlent la pensée de Dieu à nous. Verset 6 dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et le verset 7 dit, supportez le châtiment, si vous supportez la correction, la censure, la réprimande, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas. Verset 8, mais si vous êtes exempts du châtiment auquel... Si Dieu est fatigué de vous, il n'y a pas de châtiment, il n'y a pas de réprimande, il n'y a pas de correction pour vous. À Éphraïm, a aimé les idoles, laissez-le tout seul. Je lui ai écrit les grandes choses de ma loi et elles sont considérées comme des choses étranges. Laissez-le seul. Lorsque Dieu abandonne quelqu'un de cette manière mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Nous allons à 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1, le verset 8 dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, si les vertus, la glorieuse grâce de Dieu, si cela demeure en nous et avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9 dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a oublié qu'il est venu au Seigneur afin d'être purifié, et il était purifié, afin d'être préparé pour le ciel, et il était sauvé, afin d'être en route pour le ciel. Maintenant, il ne continue pas d'apprendre. Il ne continue pas de pratiquer ce que le Seigneur l'enseignait. Alors maintenant, il a oublié qu'il était purifié de ses péchés. Et le verset 10 dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, les pratiquants de la parole, et non seulement les auditeurs de la parole, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Deuxième partie ici, sont les prédicateurs stériles, s'abusant de sa parole. Non seulement ils sont auditeurs, mais des gens qui prennent la parole, des gens qui connaissent la parole, même ils prêchent la parole, et ils enseignent les autres. Ils conduisent les autres, mais eux-mêmes ne mettent pas la parole en pratique. Ils ne font pas ce qu'ils enseignent. Ils prêchent, mais ils ne pratiquent pas. Ils déclarent
mais ils ne font pas ce qu'ils ont dit. Ces prédicateurs de sa parole sont des gens qui se sont abusés, des gens stériles et qui se sont abusés. On va à 2 Timothée 3:5 qui dit que ils ont une forme de religion, une forme de piété, une forme de piété, mais c'est dire 2 Timothée 3:5 qui prêche ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils connaissent la doctrine, ils prêchent la doctrine, ils n'ont pas la grâce, la force pour faire ce qu'ils ont prêché. Ces prédicateurs, alors le Seigneur dit, ne prêtez même pas oreille à ces gens-là. Ils disent, mais ils ne font pas. Le verset 7 dit, apprenant toujours, prêchant toujours, proclamant toujours, soulignant toujours des doctrines, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et ceux qui leur sont intimes, comme leurs femmes, comme leurs enfants, alors ils vont savoir qu'ils connaissent la parole. Ils la connaissent mentalement, mais ils n'ont pas ça dans le cœur. Ses amis qui lui sont intimes, ils savent que celui-ci a une apparence de la piété, mais il n'a pas ce qui en fait la force. La force pour obéir, pour faire ce qu'il proclame. Luc 13, le verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Voyez le fruit dont il parlait ici, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la fidélité, la foi, la douceur, la bénignité, la tempérance, la maîtrise de soi. Alors ce sont les fruits que le Seigneur cherche. Comme nous lisons la parole, comme nous étudions la parole. Même il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Le verset 7 dit, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Le Seigneur nous parle et nous déclare sa parole. Comme le Seigneur nous dit que je suis venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Il veut le fruit de salut, que cela passe par nous. Comme il nous atteint, comme il nous parle et il prie pour nous, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Après cette prière, il veut que nous accordions avec la parole, que nous acceptons la parole, que nous fassions la même parole, la même prière, et que nous recevions les avantages de la parole sanctificatrice. Alors, il viendra et va chercher du fruit dans notre vie. Et c'est dit que, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, se référant à toi en particulier, et dit, et je n'en trouve point, coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le verset 8 dit, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Alors, donne-lui encore une prolongation, donne-lui un temps, mais c'est limité, cette année seulement. Seigneur, laisse-le encore cette année. Le Seigneur ne va pas demeurer patient infiniment, parlant. Mais il dit que mon esprit ne va pas rester toujours, ne va pas contester toujours avec l'homme. Le Seigneur ne va pas attendre indéfiniment. Il donne une autre occasion ce jour d'écouter la parole de Dieu. Il veut que nous soyons des pratiquants de la parole. Et dit, Seigneur, laisse-le encore cette année.
Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Verset 9 dit, peut-être à l'avenir, Jonas avait sa seconde chance. Et maintenant, que lève-toi, va à Ninive et va leur prêcher. Si maintenant tu es prédicateur, tu pratiques la parole, c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous avons échoué dans le passé. Nous étions stériles dans le passé, infidèles dans le passé. L'occasion maintenant se présente d'être pratiquant de la parole. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Nous allons aux Hébreux, Hébreux 6. Hébreux chapitre 6. Verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Un homme sème une graine. Dieu envoie la pluie. Et la graine germe, pousse et porte de fruits. La terre-là reçoit la bénédiction de Dieu. Et le verset 8 dit, « Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée. » Lorsque nous devons porter de fruits nutritionnels, parce que des efforts sont déployés sur nous. Si nous portons les bons fruits, profitables, agréables, que d'accord, le Seigneur va donner plus de bénédictions. Mais au lieu de porter les fruits appropriés, au lieu de porter les fruits rédempteurs, les fruits qui montrent que nous sommes rachetés, qu'il a fait de nous des gens justes, le fruit qui montre que nous avons rencontré Christ, nous sommes en lui, nous sommes de nouvelles créatures en Christ, c'est le fruit là qu'il espère. Mais si nous portons les œuvres de la chair, si nous portons la nature de Satan, si nous portons le fruit de la dépravation, c'est dit, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Matthieu 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est le caractère, c'est le style de vie, c'est le comportement. C'est l'habitude, verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Une âme sauvée ne peut porter de mauvais fruits. Un esprit ferme, ferme dans le Seigneur, demeurant dans le Seigneur, ne peut porter de mauvais fruits. Une âme véridique ne peut porter de fruits menteurs, de paroles séduisantes. Un bon arbre, celui qui est rendu bon par le Seigneur, ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, abattu et jeté au feu. Comprenez? Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Jésus a parlé du feu, là qui tourmente, le feu éternel, le feu inextinguible, plus que tout autre prédicateur, plus que toute personne dans toute la Bible. Jésus a dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits. Ce n'est pas leur témoignage. Oh, chaque fois que je viens à l'église, chaque fois que je reçois la prédication, je porte des notes. Non, pas ce que tu dis, par tes fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que vous êtes affranchi des œuvres de la chair? C'est pas leurs fruits que vous, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Est-ce que vous avez le fruit de l'esprit? Est-ce que vous vivez comme étant membre du corps de Christ? Ce que Christ doit faire, c'est ce que vous faites. C'est à, donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, 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 le prédicateur dit Seigneur, Seigneur, ils disent Seigneur, Seigneur. Le soin disant, croyant dit Seigneur, Seigneur. Même les vierges folles disent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Les gens religieux, les traditionnels, ils disent Seigneur, Seigneur. Les gens de dénomination disent Seigneur, Seigneur. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui pratique, nous avons besoin de la grâce, celui-là qui fait, nous avons besoin de concentration, celui-là qui fait, on a besoin de détermination, celui-là qui fait, on a besoin de décision pour faire, pour pratiquer la parole, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, ici dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est là que se trouve l'accent de certains, l'accent de certains, cela leur donne la popularité, le respect des gens. Et tout ça me dit, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils jeûnent, ils prient pour chasser les démons. Ils ne jeûnent pas et prient pour chasser la colère en eux, le mauvais comportement en eux, le style de vie souillant, souillé en eux. Ils croient qu'aussi ils peuvent chasser le démon, que cela suffit. Jésus a dit non, cela ne suffit pas. Vous devez avoir, nous devons avoir Christ qui vit en nous. Et dit, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Un jour, quelle grande proclamation. Au dernier jour, lorsqu'il ne peut plus revenir et se repentir, au dernier jour où ces gens ne peuvent plus corriger, amender ce qui est mauvais, le Seigneur dit que je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Troisième partie ici. Nous allons voir ici les gens sales et souillés qui haïssent cette parole. Les gens qui sont souillés, qui se souillent eux-mêmes, même quoi qu'il n'y ait personne pour les souiller. Comment cela est possible? Satan n'était pas tenté par un autre ange. Il était Lucifer. Il s'est souillé lui-même. Il a conçu l'idée, je serai comme Dieu, le Très-Haut. Et l'orgueil l'a souillé. Les gens sales, souillés, qui haïssent cette parole. Jude 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils disent.
mais ils parlent mal de ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne comprennent pas les choses principales de la parole de Dieu. Cependant, ils parlent mal de ce qu'ils ne connaissent pas. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, comme les brutes. Ils se corrompent eux-mêmes. Il y a des gens qui ont le style de vie, l'habitude et la pensée et des pensées. Quoique personne ne soit là pour les souiller, ils se souillent eux-mêmes. Verset 11 dit, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. » Et Caïn n'a jamais vu personne assassiner quelqu'un, tuer quelqu'un. Mais l'idée lui est arrivée que ce que personne n'a jamais fait, ni Abraham, ni Adam, ni Ève, lui étant l'aîné, il n'a jamais vu personne qui élimine quelqu'un d'autre. Mais il a inventé l'idée là pour tuer quelqu'un. Et il s'est dit, malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn et se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Et le verset 12 dit, ce sont des écueils dans vos agapes. Cela veut dire que ils viennent à la réunion, ils viennent à l'assemblée, à la communion, ils communient avec le peuple de Dieu à l'église, comme s'ils font partie de la communion du peuple de Dieu. Quand ils mangent avec vous, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ils sont des nuées sans eau, poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, rétrograde, verset 13. 13 dit, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Quand ils parlent, ils oublient de ce qu'ils disent. Ils parlent, ils disent des choses insensées qu'ils ont fait. Et ils relatent la vie ignoble qu'ils mènent. Ils jouissent d'en parler. Ils jouissent d'en parler. Ils vont à l'église. Ils étudient la Bible. Et ils aiment faire les choses mauvaises qu'ils ont fait dans le passé. Et qui continue de faire des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est réservé pour eux. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Deuxième Timothée chapitre 4. Deuxième Timothée 4, 3. Car il viendra un temps. L'heure est déjà arrivée. Je suis écrit 2000 ans passés. Le temps viendra. En ce temps-là, c'est le futur. Voici le temps maintenant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens aiment la motivation. Ils aiment l'enthousiasme. Ils aiment les choses-là que le prédicateur dit. Pour les faire rigoler, se moquer de leurs péchés, jouir de leurs péchés. Mais écoutez, la doctrine de la repentance, du salut, de la nouvelle alliance, de la nouvelle créature dans la nouvelle alliance. Mais entendre parler de la vie qui est proprement menée par la grâce de Dieu, non, quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille, verset 4,
détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, vers les histoires, vers des contes. Ils ont rencontré ceci et cela, ce qui rend les gens inquisiteurs. Les gens veulent écouter cela, mais la doctrine, l'enseignement, l'exhortation solide qui va les pousser à se repentir et aller au ciel, cela, ils n'en jouissent pas. Osée chapitre 8, verset 11. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Et le verset 12 dit que j'écrive, c'est Dieu qui lui a parlé, c'est le Seigneur qui parle ici, que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma parole. Je lui ai écrit les choses pesantes, essentielles, importantes, les choses essentielles pour les pèlerins qui vont au ciel. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Qu'un homme mène une vie affranchie du péché, cela leur est étranger. Qu'un homme ait son cœur circoncis, la personne aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, cela est une chose étrangère. Qu'un homme résiste à la tentation et qu'il triomphe de la tentation et qu'il triomphe du tentateur. Quant à eux, c'est chose étrangère. Qu'un homme soit saint, qu'un homme soit sanctifié, qu'un homme mène une vie agréable à Dieu, pour eux, c'est chose étrangère. Alors que nos pensées, que notre volonté, que notre décision, que notre désir, que notre dévotion soit totalement consacrée, soumise à Dieu, pour eux, ça c'est chose étrangère. Alors qui peut vivre dans ce monde et ne pas pécher, et ne pas continuer dans le péché? Qui peut vivre dans ce monde et ne pas donner la corruption et accepter la corruption? Pour eux, c'est chose étrangère. Que j'écrive pour lui toutes les choses, toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Nous allons maintenant au deuxième point. Deuxième point ici. Nous allons voir ici les auditeurs fidèles renonçant à eux-mêmes dans sa volonté. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, plonger les regards dans la loi parfaite de la liberté. Numéro 2, vivre par l'amour parfait du Seigneur. 3, combler de sa liberté parfaite à vie. Numéro 1, plonger les regards dans la loi parfaite de la liberté. Nous lisons en Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est la parole de Dieu, la Bible, l'ancien et le nouveau commandement qui est appelé la loi parfaite, la loi de la liberté. La parole de Dieu est pure, parfaite. La parole de Dieu nous libère, nous affranchit et nous conduit à la liberté que nous avons en Christ. C'est pourquoi c'est dit et que vous plongez les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux
dans son activité. Voyons Psaume 19, la loi parfaite de la liberté. Psaume 19, verset 8, qui dit ici, Psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite, elle rétablit l'âme. Si on voit la parole de Dieu, la parole de Dieu va nous montrer notre imperfection, la parole va nous montrer notre iniquité, cela va nous montrer notre transgression, et cela aussi va nous montrer la parole qui nous purifie, lave-moi, et purifie-moi, je serai plus blanc que la neige. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi, je serai plus blanc que la neige. C'est la parole qui montre notre imperfection, qui montre aussi celui qui est parfait et qui nous montre comment nous pouvons être si purifiés et lavés pour nous rendre parfaits. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Le verset 9 dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. Verset 10. La crainte de l'Éternel est pure. Elle suscite à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Et la crainte de l'Éternel est pure. Elle suscite à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Verset 11. Ils sont plus précieux que l'or. La loi de l'Éternel, les statuts de l'Éternel, les commandements de l'Éternel sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Nous allons à 2 Timothée 3, 16, qui dit, toute écriture, ce que les apôtres ont reçu, ce qu'ils ont dit, toutes les écritures, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul, Jean, et tout ce que Dieu a utilisé dans le Nouveau Testament, pour nous donner le Nouveau Testament, toute écriture, tout ce qu'on a entendu dans l'Ancien Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a personne qui doit soustraire, il n'y a personne qui doit ajouter quelque chose. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'écriture ne nous instruit pas, à pécher, à tomber, à nous corrompre, à être souillé. Ouais, être pécheur, ce n'est pas de l'écriture. Cela provient de l'esprit dépravé de l'homme ou de la femme. Mais l'écriture est donnée afin qu'elle nous enseigne les doctrines, que cela nous donne, oui, la correction, la conviction et l'instruction dans la justice. Le verset 17 dit, afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ce que la parole fait. C'est pourquoi c'est dit en Ésaïe 34, verset 16, qui dit, consultez le livre de l'Éternel, la Sainte Bible. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un
ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche, le Seigneur parle, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Voyons numéro 2 ici. Là, on voit ici, on a vu plonger les regards dans la loi parfaite de la liberté. 3. Deuxième partie ici, vivre par l'amour parfait du Seigneur. Nous vivons par son amour. Si nous vivons par son amour, il nous dirige vers la purification et la rédemption et la justice. Et puis, nous allons maintenant vivre par la loi parfaite du Seigneur. Nous allons à Matthieu 22. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le principe par lequel nous vivons et nous n'allons jamais en congé pour dire que non, aujourd'hui, je ne vais plus aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma vie. Je vais faire les choses comme cela me semble bon. Et comme c'est comme je suis en congé, je fais ce que je veux faire moi-même ce jour. Dans la maison, hors de la maison, dans le train, sur la route, dans le bus, au village, en ville, au bureau, où que nous soyons, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, ceci ne dépend pas du fait que je me sens bien aujourd'hui. Non, à tout moment, lorsque nous avons Christ qui vit en nous et nous vivons par la loi parfaite du Seigneur, Jésus a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le verset 40 dit, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Cela inclut le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Romains chapitre 13, verset 8. Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Vous devez à tout le monde l'amour. C'est une dette à vous en acquitter. Alors, votre, un ami, un ennemi, un parent, un mari, une femme, les parents de l'église, membres de l'église, voici la dette que nous devons à tous. Nous devons nous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Le verset 9 dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère parce que tu aimes l'homme là, que tu aimes l'homme là, et tu ne vas pas commettre l'adultère avec sa femme. Parce que tu l'aimes aussi, tu ne vas rien faire pour faire montrer sa perfection, son imperfection, pour que celle-ci rate le ciel. Femme, si tu aimes un homme, que l'homme là est bon, oui, l'homme est bon, oui, tu l'aimes, que tu ne vas pas vouloir que l'homme là aille en enfer, tu ne vas pas donner à l'homme là ta chair. Je l'aime, mais ce n'est pas ton mari. Je l'aime, ce n'est pas ta femme. Tu ne vas pas offrir ton corps pour apprécier l'homme, parce que si tu fais cela, tu l'envoies en enfer et tu rends les gens inutiles dans le royaume de Dieu parce que tu les rends rétrogrades. L'amour n'offre pas le corps à une autre personne. Je t'aime. Non, tu les hais. Tu les envoies en enfer. Et dit ici que tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point,
et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le verset 10. 10 dit, l'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Galates chapitre 5, 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, c'est de la chair. L'impureté, c'est de la chair. La dissolution, c'est de la chair. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent les membres de l'Église, les membres hors de l'Église, les soi-disant croyants, ceux qui donnent de grands témoignages, je suis né de nouveau, je suis sauvé, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'amour pur, pas l'amour charnel, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ceux qui appartiennent à Christ, véritablement, ceux qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés, ceux qui demeurent en Christ, ceux qui sont à Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 26 dit, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Matthieu, chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que nous avons dans la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament fait partie de la loi, et les prophètes, tout ce qu'on a là-bas, l'interprétation de chaque déclaration, l'interprétation de chaque exhortation là-bas, c'est que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est le sommaire, le résumé, l'interprétation, l'application de la loi et des prophètes. Que voulez-vous que les gens fassent, vous fassent, qu'ils vous haïssent, qu'ils soient en rancune avec vous, qu'ils ne vous pardonnent pas, qu'ils vous oppriment, qu'ils vous maltraitent pour ce qui s'est passé 10 ans passés? Vous ne voulez pas cela. Vous voulez qu'ils vous pardonnent. Vous voulez qu'ils vous aiment. Vous voulez qu'ils se comportent bien envers vous.
vous voulez qu'il vous aide et non pas de vous faire du mal. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Voyons la troisième partie ici. Comblé de sa liberté parfaite à vie. Jacques 1, verset 25. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera comblé de sa liberté parfaite pour aujourd'hui, pour demain, jusqu'à la fin de sa vie. Psaume 68. Psaume 68. Verset 19, verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu, comme chaque jour nous écoutons la parole, comme nous obéissons à son exhortation, lui aussi au quotidien, et nous comble de bienfaits. Dieu de notre salut. Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Christ est au ciel. Nous sommes en Christ et il nous élève et nous sommes assis à ses côtés dans les lieux célestes. Et nous vivons dans les lieux célestes et nous avons nos affections sur les choses d'en haut. Lui aussi, il nous donne des bénédictions dans ces lieux célestes. Hébreux 5. Hébreux 5, 9. Hébreux 5, 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est parfait, il est perfectionné, il a offert un sacrifice parfait. Nous croyons à ce sacrifice parfait. Nous vivons selon la loi parfaite du Sauveur parfait parce que nous vivons selon sa parole et nous lui sommes obéissants. Il nous accorde le salut qui nous fait vivre pour toujours. Nous allons au troisième point maintenant, les moissonneurs fructueux s'oubliant eux-mêmes de cette manière, de ce nous nous oublions. Dans le service des autres, nous nous oublions. Dans le service du Seigneur, et tout ce que nous voulons faire, c'est de lui plaire et non de nous plaire à nous-mêmes. Ce qui va plaire au Seigneur, voyons Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache, Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. 27. La religion pure et sans tache devant Dieu et notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver. Dieu, préserve-moi une bonne prière. Toi aussi, tu dois te préserver. Par expérience, pour de ta vie passée, de ta connaissance, tu sais qu'il y a des choses, qu'il y a des gens qui vont te rendre souillé, coupable, inique, mauvais. Si tu veux réellement être préservé du mal,
toi-même, tu te préserves sans tâche du monde. Nous voyons ici les moissonneurs fructueux s'oubliant eux-mêmes de cette manière. Numéro 1 ici, nous allons voir la mise en garde du croyant et la langue bridée dans cette marche. 2. Le soin équilibré pour les accabler dans ce monde. Pas dans le monde entier, dans notre monde. Nous ne connaissons pas beaucoup de personnes dans le monde, mais dans notre monde, les gens qui vous environnent, dans votre communauté, les gens que vous connaissez dans votre société, les gens que vous connaissez dans l'église, ils sont des gens accablés de soucis, les pauvres, les orphelins, et alors qu'on ait un soin équilibré pour eux. 3. La conservation biblique des croyants irrépréhensibles, sans non cachés par la mondanité. Numéro 1. La précaution du croyant et la mise en garde et la langue, la précaution du croyant et la langue domptée dans cette marche. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux, tu crois être religieux, que tu es dans la voie du ciel. Si quelqu'un croit être religieux et s'en tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Oui, la langue là-bas, c'est la langue qui calomnie, on doit la brider. C'est la langue qui ment, on doit la dompter pour qu'elle ne mente plus. C'est la langue qui trompe son voisin, même l'intime personne à vous. C'est la langue qui trompe les gens. Si nous bridons notre langue, il n'y aura pas de séduction. C'est la langue qui dit des paroles de haine. C'est la langue qui envenime la langue des autres, qui blesse les autres. C'est un monde d'iniquité, un monde de feu. Et si nous allons montrer que nous sommes enfants de Dieu, nous domptons notre langue du mal, de la haine, des calomnies, de la séduction, du mensonge, de tout ce qui est mauvais. Nous allons au psaume. Psaume 39, verset 2. Je disais, je veillerai sur mes voies. Ce sont les gens qui sont justes, rachetés et qui veulent aller au ciel. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Le méchant peut être un bavard, il veut parler, vous amener à son niveau et vous brider votre langue parce que vous avez quelque chose que vous cherchez. Vous avez quelque chose sur laquelle vous veillez. Et verset 2, 3, verset 3. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douceur n'était pas moins vive. Parfois, quand on parle beaucoup, quand on bavarde beaucoup, on oublie ses faiblesses, on oublie qu'on doit prier, on oublie qu'on doit aller à la croix, pour qu'on regarde sa voiture, qu'on fasse, refasse sa valise pour aller au ciel. Le Samuel dit que je me suis tué, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Lorsque je méditais, je pensais à ma vie, je pensais à là où je suis maintenant, je pensais à là où je dois être. Si vous avez un compagnon que chaque fois il bavarde, dès que vous réveillez le matin, jusqu'au moment où vous allez vous coucher, c'est parler. Il ne te permet pas de penser à ta vie,
penser à ton futur, penser au commandement du Seigneur. Il ne te permet pas de penser au commandement du Seigneur, à tes imperfections, penser à ta vie, afin que tu sois prêt pour le ciel. Que mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Qu'est-ce qu'il dit de sa langue? Verset 5. Seigneur, dis-moi quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voyons un proverbe. Proverbe 26, verset 3. Proverbe 26, verset 3. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. C'est un insensé. Il ne pense pas du ciel. Il ne pense pas de son futur. Il ne pense pas à ce qu'il peut devenir. Il ne pense pas à ses revers, à ses échecs. Le bavardage ne lui a pas permis de méditer sur sa vie et sur les pertes de sa vie, les gens autour de lui, puisque lui-même aussi, il est un insensé. Voyons le verset 4. Voyez, il y a quelqu'un qui est un fou que ne répond pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Les gens qui font des choses folles, si vous courez après eux, courez après eux, vous allez oublier votre appel, vous allez oublier votre vie, vous allez oublier ce que Dieu veut que vous soyez. Il y aura toujours des gens insensés qui ne pensent pas de leur futur et tout ce qu'ils veulent faire, c'est de jouer l'insensé. Et d'ici que ne répond pas à l'insensé, ne réagit pas envers l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Le verset 5 dit, répond à l'insensé. Comme la personne ne connaît pas la profondeur de sa folie, parfois, vous devez lui prêter certaines sagesse. Comment le faire? Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Vous équilibrez tout. Il ne faut pas passer votre vie à répondre à l'insensé. Ne passez pas votre vie à répondre aux gens qui ne pensent pas de leur futur et ils veulent que vous soyez comme ça. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et tu luttes, une lutte en toi. Et tu n'as pas de concentration sur une connaissance pour combattre l'ennemi à l'intérieur. Voyons Jacques. Jacques 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes chaque fois parler, qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, ce que tu dis que ce jour, je veux seulement vivre ce jour, un jour à la fois. Je vais veiller sur ma bouche. Brider ma bouche afin de ne blesser personne ce jour. Seulement aujourd'hui, demain vient, tu dis aujourd'hui, ma bouche m'a amené dans un grand problème, dans la folie, dans l'échec. Mais aujourd'hui, je vais toujours veiller sur ma langue, sur ma bouche, afin que je ne blesse personne. Seulement aujourd'hui et un jour à la fois, cela deviendra ton habitude, que ta bouche, tes lèvres, alors ne
ta bouche ne va pas t'égarer. Si si quelqu'un ne branche point en parole, pas de parole coléreuse, pas de parole calomniatrice, pas de parole calomniatrice, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Numéro deuxième partie ici, le soin équilibré pour les accablés dans notre monde, dans votre environnement, les gens que vous pouvez toucher, que vous pouvez aider. La première partie de Jacques, chapitre 1, 27 dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, à visiter afin de les aider, visiter afin de les relever, les visiter afin d'ôter les fardeaux d'eux, de les visiter afin de leur offrir une certaine aide, l'aide financière, matérielle, morale, le courage, la consolation. Allons à Job 29. Job 29, 12. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Que je regarde mon voisin, je regarde les gens autour de moi et je leur prête une main forte. Ils n'ont pas d'aide, alors je les aide. Et nous devons faire cela. Nous devons aider les gens. Nous devons secourir les gens. Nous devons ôter le fardeau des gens. Nous devons donner de la nourriture aux affamés, des habits aux personnes nues. Et nous devons ôter leur fardeau financier aussi possible que nous le pouvons. Verset 13 dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Que la chose pratique que cela soit la chose pratique qu'on fasse, ce n'est pas seulement de croire aux doctrines. Vivons selon les doctrines et d'amener la joie dans le cœur. Qui n'ont pas de joie, qui sont tristes, qui sont angoissés à cause du fardeau des besoins dans leur vie. Verset 14. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Verset 15. J'étais l'œil de l'aveugle, l'aveugle qui ne peut pas voir. J'ai utilisé mon œil pour montrer la voie à l'aveugle. Et le pied du boiteux, peut-être on doit le porter au dos parce qu'il est paralysé. Vous aidez les gens et la déficience en eux, ce qui fait défaut en eux, parce que Dieu t'a béni. Tu as des yeux pour voir, tu as les pieds pour marcher. Tu vas leur emprunter, tu vas leur prêter ce que tu as afin qu'ils mènent une vie au complet. Le verset 16. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Nous allons à la troisième partie ici. Nous allons voir ici la conservation biblique des croyants non tachés par la mondanité. Jacques 1, verset 27. La dernière partie dit que et à se préserver des souillures du monde. À se préserver des souillures du monde.
Est-ce que vous savez que le monde va vous souiller et vous devez vous préserver des souillures du monde? Vous devez vous préserver des festivités, des festivals du monde, des plaisirs du monde, de vous préserver de la musique du monde, de vous préserver de tout ce qui font dans le monde, ce qui va venir comme une souillure aux croyants. Nous allons à Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques 4, 4. Adultère que vous êtes spirituel, adultère que vous êtes spirituel, ne savez-vous pas que l'amour du monde, ne savez-vous pas que l'intimité du monde, ne savez-vous pas que l'interaction du monde, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Se rend ennemi de Dieu. Dites-le moi. Quelqu'un qui est religieux et il est ami du monde et ils prennent part à toutes leurs surprise parties, ils boivent ce qu'ils boivent et ils partagent avec eux. Je ne veux pas être différent. Moi, je suis humble. Je suis comme eux, ils sont comme moi. Et tu es intime avec ces gens. Tu es ami de ces gens. Tu mènes leur style de vie et que une telle personne est ennemi de Dieu. Si cette personne meurt dans cet état-là, où est-ce que la personne passera son éternité? La personne demeure physiquement dans l'église. Il vient à tous les cultes. Il vit avec nous. Et quand il meurt, nous allons même nous responsabiliser. Nous allons même nous responsabiliser à l'inhumer. Mais il est ami du monde. Son style de vie, tout ce que la personne fait, un ami du monde, se rend ennemi de Dieu et ennemi de Dieu qui meurt dans cet état-là. Où passera-t-il l'éternité? 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde. C'est un commandement, un impératif. Mettez la pratique en parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'une aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux, cela vient du monde, et l'orgueil de la vie, cela ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce, la passion pour suivre le Seigneur et la poursuite pour la révélation de la parole de Dieu, afin que la concentration, la focalisation, la consécration pour pratiquer la parole et ne pas l'écouter seulement et ne pas seulement prêcher la parole, que le Seigneur nous donne la grâce au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Tenons-nous debout et parlons au Seigneur dans la prière. Vous allez continuer de prier, arriver à la maison, amener tout ce que vous avez appris au Seigneur dans la prière. Le Seigneur vous a-t-il parlé ce jour? Vous a-t-il révélé quelque chose ce jour? Mettez la parole en pratique. Rappelez-vous, là où vous êtes tombé, repentez-vous et faites la première œuvre. Sinon, je viendrai et j'ôterai
le chandelier de sa place. En Mosque, vous ne vous repentez. Invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, tu m'as tant révélé de choses. Tu m'as révélé ta voix, ta parole, ta volonté. Accorde-moi toute la grâce dont j'ai besoin. Toute la force dont j'ai besoin. Toute la fermeté dont j'ai besoin. Et toute la prévention dont j'ai besoin. Toute la réflexion, ne sois pas irréfléchie. Pensez. Méditez sur la parole. Mettez la parole en pratique et non seulement ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Des gens comme moi devons être pratiquants de la parole et non seulement des prédicateurs de la parole. Les pharisiens prêchaient beaucoup, mais ils ne faisaient pas ce qu'ils prêchaient. Même le peu, on doit y obéir. Obéir, obéir. Obéir, obéir. C'est la voix de Dieu. Lorsque son esprit te parle, il n'y a qu'une seule chose à faire, obéir. Si tu es dans la main du Sauveur, tu dois faire comme il le commande. Faut jamais cesser de raisonner. Tout ce qu'il exige, c'est d'y obéir. Si vous regardez les demeures en haut, dans le pays, dans le ciel, la foi et le devoir appellent. Obéis, obéis. Obéis, obéis. C'est la voix de Dieu. Si son message, si son esprit te parle, il n'y a qu'une seule chose à faire. Obéis, obéis. Ne sois pas un auditeur séduit, illusionné de la parole. Sois pratiquant de la parole. Ne sois pas un auditeur qui se souille, mais un pratiquant de la parole. Il faut le renoncement à soi. Si quelqu'un suit le Seigneur et ne renonce pas à lui-même pour se charger de sa croix, il ne peut être son disciple. Quand à la dernière fois que vous avez renoncé à vous-même, que vous avez renoncé à vous-même disant que vous vous empêchez de faire quelque chose, je m'empêche d'aller là, je m'empêche de me vertir de cette manière, je ne vais pas permettre à l'œuvre de la chair . C'est le croyant qui renonce à lui-même. Il demeure fidèle avec la parole. Mettez la parole en pratique à tout prix.
Rendez visite aux orphelins, aidez-les. Les veuves dans leur affliction, aidez-les. Nous l'avons lu. Nous sommes des auditeurs, mais des pratiquants de la parole. Soyez des yeux pour les aveugles. Soyez les pieds pour les boiteux, les paralytiques. Mettez en pratique la parole. Pourvoyez, soyez un pourvoyeur pour le pauvre. Un pourvoyeur pour l'indigent qui ne peut pas pourvoir à ses besoins. Mettez la parole en pratique. Bridez votre langue. Pas de parole de haine, pas de parole de méchanceté, de calomnie, pas de parole de corruption de votre bouche. Mettez la parole en pratique. Et préservez-vous de la souillure du monde. Le monde va vous souiller. L'association avec le monde va vous souiller. L'intimité avec le monde va vous disqualifier pour le ciel. Gardez-vous, préservez-vous de tout souillure du monde. Il nous a commandé de nous repentir. Pratiquez, mettez en pratique la parole. Il nous a commandé de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Il nous a commandé de chercher et de sauver ceux qui sont perdus et de nous préoccuper de son œuvre jusqu'à ce qu'il soit là. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Au nom de Jésus, nous prions. Notre Père, nous te remercions pour ta révélation. Merci pour ce que nous avons entendu, mais nous savons que la gloire n'est pas en écoutant la parole, mais la bénédiction, c'est en pratiquant la parole. La force, la focalisation, la décision, la détermination, la consécration à pratiquer la parole. Accorde-nous tout cela au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'aucun d'entre nous ne rejette ta parole pour une raison donnée. Nous recevons, nous l'appliquons à notre vie, nous prions, nous recevons la grâce, et nous serons des pratiquants au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, chaque moment, tout notre séjour terrestre, où que nous soyons, quelle que soit la personne avec nous, avec qui nous sommes, nous prions Seigneur que tu nous aides à mettre la parole en pratique. Nous prions que la bénédiction des pratiquants, des obéissants, que cette parole, que cette bénédiction se répande sur notre vie. Plus de grâce dans chaque vie. Plus d'habileté divine dans chaque vie. Nous prions que tu nous impactes cette nature divine. Que tu nous communiques la nature divine qui aime, qui désire à faire ta volonté. Qui désire faire ta volonté. Garde-nous séparés sans tâche du monde et aide-nous à nous concentrer, à nous focaliser sur le fait de faire la volonté du Père Céleste.
Merci Seigneur pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.